Aujourd'hui, je voudrais être le porte-parole des riches, porte-parole des millionnaires, des multimilliardaires qui se sont plaints au forum économique de Davos. Et qu'est-ce qu'ils disent ? Taxez-nous les riches et taxez-nous maintenant. Ils reconnaissent que le système fiscal n'est pas équitable, ils reconnaissent que la fiscalité n'est pas juste, ils reconnaissent que durant ces crises sanitaires et énergétiques, ils ont traversé tout ça sans problème, qu'ils se sont même enrichis. Ils reconnaissent que ça n'est pas normal et ils veulent participer plus, contribuer plus au bien commun. Conviendrez avec moi que ça n'est pas une déclaration habituelle, monsieur le ministre, et si ça a eu autant d'impact, c'est que ça arrive au même moment que le nouveau rapport d'Oxfam. Et le rapport d'Oxfam, qu'est-ce qu'il dit ? Je les cite. Pour la première fois depuis 25 ans, l'extrême richesse et l'extrême pauvreté ont augmenté en même temps. Parce que c'est ça la réalité. D'un côté, les riches sont de plus en plus riches, et de l'autre, les pauvres de plus en plus pauvres. Avec au milieu, la classe moyenne qui essaye de s'en sortir, de sortir la tête hors de l'eau quand ils y arrivent. Tout ça à cause d'inégalités dans notre système fiscal.